Bonjour à tous et à toutes, je suis Arius et bienvenue pour l'épisode 2 de Miles Edgeworth Investigation. La dernière fois dans l'épisode 1, résumé rapide. Benjamin Hunter, procureur, est rentré après un mois d'absence d'un voyage. Un meurtre a été constaté dans son bureau et il aurait croisé un voleur. Au fil des péripéties, de l'investigation et non de l'enquête, nous avons découvert que Monsieur Schlemm était le coupable du meurtre seulement, mais pas du cambriolage, car le cambriolage a été perpétré par une personne qui a fait parler de lui. Et semblerait-il que Benjamin savait que ça allait se passer, et nous allons donc remonter sans doute quelques jours avant, de ce que j'ai compris. Sur ce, commençons la volte-face aérienne. Que de suspense. Oh mon dieu, j'ai failli croire que Benjamin Hunter était mort. Alors que ce n'était que du vin. Le 12 mars, nous volons. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a un ascenseur dans un avion. Le futur, sans doute. Ah la vache. Ah, quelle gueule de bois. Moi, je tiens vraiment pas à l'alcool, putain. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de légère turbulence. J'en crois pas un mot. Pour votre sécurité, veuillez regagner vos sièges et attacher vos ceintures. Oui, évidemment. Oh merde, mon passeport dans le vin. Enfin... portefeuille? Comment? Ah là là. Ce sont les deux seuls points faibles de Benjamin Hunter. Oui, souvenir. Souvenez-vous. L'épisode 4 du premier jeu de Ace Attorney. Phoenix Wright, Ace Attorney. J'ouvre l'ascenseur. Ah, un meurtre. Comment? Ah mon dieu! Une autre... Ah. Zut. Ah. Il est décédé! Non mais il est. Je pense qu'il est mort. Ah! Évidemment, c'est moi! Parce que j'ai un portefeuille. Tombé dans le vin! Zut! Putain, j'étais en première classe. Ah! C'est parti.
Alors attendez, j'essaie de trouver le jeu de mots. Maille d'essuyer. Je ne vois pas le jeu de mots. Un petit incident quoi. Oui, un incident de meurtre. Voilà, des petites meurtres. Encore? Mais c'est incroyable ça! Je vous déteste. Je vous déteste! Tous autant que vous êtes! Ah, il n'y a pas faux. Cet homme n'a pas faux, mais j'en ai marre. Laissez-moi au moins investiguer. Oh, attention à ce que tu dis, ma grande. Hein. Oh là là, attention. Des preuves très compromettantes. Oh là là. Vas-y, sors-moi les preuves. Ah, c'est génial, ma vie est géniale. Moi, je m'intègre la meilleure vie du monde. Ah bah oui. Putain, une bonne grosse tête de... De t'en coller une. Voilà. Ah ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Il a repris un sérieux, j'aime pas beaucoup ça. D'accord. Oh, oui. Non, tu n'as juste que le vol. Ah, naturellement. Oui, ça, je veux bien le savoir. Ok, oui. Alors. Waouh! Oui. Oui. Pardon? Excuse-moi. Attends. Excuse-moi, excuse-moi une seconde. Je veux juste me marrer. L'arme du cri. Un portefeuille. Mais quel idiote. Non. Une arme. Un portefeuille. Oh, ça va être réglé tellement vite. Alors, oui, gna gna gna, oui, la scène à laquelle j'assistais, c'était vous, debout, le sang tout frais. Ouais, 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 ouais. Allez, objection! Objection! Tout ce sang qui ressemblait étrangement à du vin, qui sentait l'alcool. Eh oui. C'est un portefeuille. Exactement. Si. Ça ressemble absolument pas en fait. Si! Ah
Oh mon dieu, elle a contré! Excusez-moi, j'ai rigolé. Ok, bon, si tu veux. Oh là là. Alors, fouillons donc. Ici, cette tache de bain. Et là, c'est pour l'ouvrir. Exactement. Qu'est-ce que c'est? Un passeport. Comment? Ah, c'était une bonne question. Dis donc, dis donc, dis donc, est-ce que tu voudrais... Arc BX? Je comprends rien. Il y a un jeu de mots ou pas? Je sais pas. Je suis perturbé. Ouais. Et donc? Incroyable! Ah, tu as joué ça? Ok, deuxième. Vas-y, je t'attends. Oui. Ouh, ok. Très bien. Non mais... Non mais oui. Oui, bien sûr. Alors, je vérifie juste comment il a été tué, hein. Vérifier, voyons voir. Ah, dis donc. Ça ressemble vachement à une statuette qu'il a sur le côté. Il y a un peu de sang, même moi je le vois. Mais comment je l'ai tué? Vas-y, dis-moi comment je l'ai tué. Que je l'ai volé. Oh, grossier personnage. Ouais. Ah oui, pourquoi l'ai-je volé? Attends, 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 on va l'ouvrir. Oui, voilà. Excusez-moi, pouvez, voilà. Non, en bas, voilà. Oh. Waouh! Une réflexion à toute épreuve, ma grande. Objection! Ah, c'est beau. Attends, je vais d'abord regarder ce magazine.
Intéressant ce magazine, donc. J'avoue, mettre fin. Alors, attends. La photo, évidemment. Il y a une carte, des billets, des pièces et une statue qui a sans doute servi d'arme. Et oui. Et si. Est-ce que tu peux arrêter de m'accuser de voleur maintenant et de meurtrier surtout? Parce que si ça c'est en bas, tu vois, ça va me nuire gravement pour ma réputation de procureur démoniaque. Tu peux me libérer maintenant, s'il te plaît. Non, tu me libères, s'il te plaît. Hein, et après, on va dire que... Oui, elle s'est trompée. Oui, c'est pas moi. Vous pouvez me... Espèce d'idiot. Oh, oui, c'est bien joué, Hunter. Me libérer. Me libérer. Merci. Maintenant, ma règle. Ça n'est rien. Ce que vous avez vu n'est rien du tout. Il y a juste mon ordi qui m'a mis hey, recharge-moi, lol, recharge-moi, tu vas voir, c'est trop bien. Et donc, du coup, bah, voilà. Qui insulte? Qui. Oh là là. Oui. Du bol Ginet. Mais je ne comprends pas. Ah, en bateau, madame. Madame, calmez-vous. Oh. Je suis absolument pas là. Qu'est-ce que tu fais avec tes poteries? Ton art, oh oui. Insoluble. Oui. Je ne suis pas un sucre. Elle a deviné ma véritable nature. Zinc la blanc. Enfin, Zinc la blanc. Oh mon dieu. Un homme. Tu ressembles vachement à une femme, mec. Riche marchand d'art. Oh oui. Oui. Ouais, vas-y, dis-moi. C'est de la monnaie, ouais. Oui. Oui. Attends, je vais te le dire. Midi, midi, ben, c'était l'heure du repas, mais je ne comprends pas. Voilà, c'était l'heure du repas. Oh, j'ai une superbe montre dégueulasse. C'était vers midi et quart. Waouh. Thank you.
Et toi? L'épreuve en deux mots, excuse-moi. Ah, avec sa statue, c'est une statue. La montre. Ah, une horloge. Aussi. Oui, aussi, sans doute. Petit budget, excuse-moi, mais quand on voit les prix des téléphones portables, ça fait cher. Ça fait très très cher. Ah, excuse-moi, j'ai l'habitude. Ouais, c'est comme ça qu'on... Oui, c'est ça, mais bon. La réflexion de toute une vie. Toi, on va pas être potes. Pendant 30 étages. Ok, tu joues à ça. Ouah, c'était rapide. Merci. Ah. Non. Bonjour, je suis le quatrième mur, enchanté, je viens d'en prendre un coup. Toi, mademoiselle, bonjour. C'est quoi? Ah, ça doit être le décalage horaire. Bon, prenons l'ascenseur avec le bouton. Ah, putain, il faut que j'y aille avec des escaliers. Oh. Excuse-moi, je veux juste vérifier ce pot de fleurs. Ah oui, professionnel. Ouais, j'ai bien vu. Attends, il y a du manger, j'ai faim. Non, mais calme-toi. Mais calmez-vous. Est-ce que ça existe en vrai des personnes aussi dévouées à leur métier d'hôtesse de l'air? Parce que... Ouais... Alors, ça doit être là qu'il était. Oui. Sans doute. Oui. Mais déjà, il y a son... Non. Ça, c'est ma place avec mon gros livre. Un énorme livre. Mais évidemment. Alors, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, donc toi, t'es quoi? Merci. Je suis pas stupide. Merci de mon aide. Oh, c'est... Une bouée. Ah oui. Ouais. Très bien. Alors toi, tu as l'air... Ah, mon dieu, mais c'est un français, j'en connais une, la baguette.
C'est toi même, Bako la viande. Et toi, tu es un grand amateur de vin ou d'alcool. Tu as un problème avec l'alcool? Écoute, Hunter, dans notre vie... Oui, je vais aller par là, à gauche. On est où, là, exactement, les gens de salon? Très bien. Ah, merci beaucoup. Ah! Génial! Très bien. Ah, tu vois, le premier. Première classe. Première. C'est ce que t'as compris la blague. C'est le moment d'enquêter. Oh oui. Le tueur était quelque part. Oui. Commençons par analyser le corps. Le premier et le deuxième. Très intéressant. Une information est capitale. Bon, très clairement, un coup dans la nuque, derrière la nuque et paf! Voilà, il est mort. Voilà. Oui, c'est normal. Sans frère du crâne. Frappé, oui, un coup lourd avec une arme contondante, l'aide brisée, oui, il a un collier ma foi étrange, par contre il a des gants, ah non, non, non. Oui, ses lunettes sont brisées, mais surtout il y a ceci, cette petite statuette. Figurine, oui. Attends une seconde. Le clic-clic qu'il a entendu, le blanc, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Là, c'est la carte. Ainsi que des billets, des pièces. Des pièces, des pièces, des pièces. Est-ce qu'il aurait quelque chose, là? Ah, un bout de papier. C'est une photo. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, la belle photo. Ce qui m'indique cependant quelque chose. Ça m'indique quelque chose, cette photo. Apparition-là. Très bien. Une photo de lui à une exposition.
Et ce qu'il avait au cordon, ça devait être un pass. Très bien. Déjà, je peux raisonner d'une manière logique. Un choc violent. Je pense que l'arme du crime est Monsieur Ify. Il n'y a même pas d'autre choix. Ah oui! Mais quoi? C'est bien. C'est bien. C'est un début. C'est vrai. Bien. Maintenant, ceci a été ajouté. On ne sait toujours pas qui est le tueur, ni ce qui s'est passé dans l'ascenseur. Cependant, analysons cette statue de plus près. Le nom de la compagnie, évidemment. Ah, excuse Benjamin. Bien. Ah, une fente, juste ici. Pour mettre de la monnaie, évidemment. Mais surtout, la tache de sang. Ah ah, mystère et mystère, mon cher Benjamin. Bien. La table est complètement bousillée à cause des turbulences, oui. Et là, cette statue... Hugo, il fly. Oui. Oh. Ici, il y a une grille. Ah oui, évidemment, elle est fermée. J'avais zappé ce léger détail. Oui, continuons. Une bouteille de vin, morte. Mais qu'est-ce que... Ah, non. Là, à tes pieds. Il a... pas beaucoup vieilli, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est là, c'est là. Et là, il y a une bouteille. Ouais. Ah, ça c'est ouvert. Pas sans doute pendant les turbulences. Tu commences à m'énerver là-dessus. Mais il y a une bouteille là, ça m'énerve. La bouteille. Bon, et là il y a un piano. Mais c'est débile. Ah, d'accord, oui. Oui, pourquoi pas. Mais les trucs par terre, moi je c'est le truc par terre que je veux analyser. Non, je peux pas. Je ne peux pas monter, je pense. Je ne peux pas monter. Bon. Oui, seul le personnel, hein, tout ça. Tu fais des gestes pendant que tu penses. Oui, oui. Bien. Donc, la turbulence, ça fait pas mal de dégâts. C'est plein de choses. Là, c'est fermé. Qu'est-ce qui pourrait bien être les monnaies? La monnaie, on l'a vu, évidemment. Le coup sur la tête.
le corps, évidemment. Ah, tiens, tiens. Oui, sans doute. Sans doute, mon petit Benjamin. Voyons voir. Mais une seconde. Je peux en déduire. Je peux déduire ce qu'il avait juste ici. Voyons. Ok, oui. Voyons voir. Cette photo. Alors, qui a ? Ah, c'était un téléphone portable. C'est débile de porter un téléphone portable en collier. C'est une opinion personnelle. Hein. Voilà. Bien. Je pense avoir tout. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, je peux lui poser des questions. Parfait. Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Oui, absolument. J'ai un problème avec ces mots. À mon ardent. Et pas que. Oh, merci. Captain Abuse. Va falloir te calmer. Ouais. Servons-nous de la logique. Parce que c'est les seules traces. Donc. Voyons voir. Je ne sais pas quels sont les indices qui me permettent de savoir où était le tueur. Quoique, le corps a été retrouvé dans le centre niveau 1 et 2. Ce qui veut dire que, techniquement, l'indice qui me permettrait de savoir où est le tueur, c'est de savoir s'il a pris l'ascenseur. Et une lettre brisée, ou elle était cassée durant le meurtre. Me voilà face à un mur. Voilà face à un mur. Réfléchissons. Voyons, voyons. Ah bah oui. Donc pourquoi je m'ennuie avec ça en fait. Eh, je suis en train de m'ennuyer avec des trucs qui n'ont aucun sens. Ce qui veut dire que je l'aurais vu. Et il aurait été avec Ike, évidemment. La logique, logique. Du coup, ça expliquerait pourquoi les lunettes sont cassées. Parce qu'il y a une batte. Ah, c'était pas ça. Non, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les empreintes. Je les avais pas vues, lol. C'est une empreinte. Mmh.
Ouais. Du coup, le seul moyen que j'ai de prouver, c'est le jeu de raison. Et là, on peut espérer une connexion. Oui, la connexion. Non, il n'a pas de chaussures. Enfin, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de traces sur les chaussures. Bien, je pense avoir terminé cette enquête. Oh yeah! Ah, mon cher ami Lablanc! Lablanc, si tu pouvais arrêter de faire ramer mon émulateur, merci beaucoup. Ok oui, et j'ai de quoi te mettre à terre. Merci. Quoi, c'est insensé? Vas-y, dis-moi tout. Le combat du riche. Oh mon dieu, mais t'as une sale tête quand même. Mais on dirait une vieille. Je sais pas si c'est voulu. Alors. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Oui, sans doute, mais... Je déteste ce genre de personne. Je déteste ce genre de personne. Je déteste vraiment ce genre de personne. Ouais, c'est ça. Et moi, je te dis qu'il y en a deux. C'est vraiment très intéressant. Oh, vraiment. Waouh, c'est une énorme somme. Non mais non, c'est bon, c'est... Non mais t'as perdu, ça y est, c'est... Non, c'est terminé, t'as perdu, c'est bon, tais-toi. Tais-toi. Ça, tu l'expliques comment? Objection? Ça, tu l'expliques comment? Évidemment, tu l'expliques par l'opération du Saint-Esprit. Hein? Le bon vieux Saint-Esprit! Ce que je veux dire, il y a une énorme contradiction dans ce que tu viens de dire. Regarde, il y a du jus de raisin. On ne veut pas dire vin parce que ça... Ça énonce alcool, tu vois, les poteaux, tout ça, tout ça. Des empreintes, et oui! Ah oui, ça fait mal. Je crois que c'est une insulte. Mais tu es qui, toi? Tu es tu es... Ah, tu es le... D'accord. Voilà. Et dans ce cas...
Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je te refais perdre ton temps. Alors. Ah mon dieu. Ah bon? Cet homme. Cet homme. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'es énervé? J'ai toujours énervé. Ah ben voyons. Mais pourquoi? Encore et encore. Et où est-il allé? Dis-le-moi, dis-moi tout. J'aime pas beaucoup tes blagues. Oh, et qu'as-tu vu? Ouais. J'ai croyance en ma vue d'œil. D'accord, oui. Oui, ça. Tu parles pas français. De coup d'œil, oui, ouais. Ouais. Et pourquoi d'ailleurs? Ah mon dieu, quelque chose d'impardonnable. Oui, d'accord. Non mais, ah bon? Un film? Et je n'étais même pas prévenu. Le meilleur restaurant. Ah, le film. Ah bah oui, de midi à midi 2. Ça c'est vrai, non. Reviens. De midi à midi 2, effectivement. C'est une information à prendre en compte, évidemment. Attends. Tu as mis ta montre? Attends, t'as mis ta montre quand on est à l'heure, quand on est monté? Ou à l'heure du truc? Je comprends pas. Oui, d'aimer, de tuer, de se marrer, de bastonner mon sbille, tout ça. Mais tu la règles comment? Parce que y a plein de choses bizarres avec ta montre et les heures, et j'aime pas ça. Ah mais attends.
Attends, je vérifie juste une chose. Au fuseau horaire du lieu de départ. Ouais. Donc, fuseau horaire, lieu de départ. Ok. Je commence à me dire que ça pourrait être ça. Mais j'ai tellement un doute. C'était ça. Alors, j'avoue ne pas comprendre pourquoi. Parce que c'est compliqué. Oh, petit piano. Oh, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est existe. Ah. Ah. Gros coup de vent dans ta gueule. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, voilà, calmez-vous, calme-toi la musique, calme-toi la musique. En effet, pas bête. Bon, la 3D est en train de tuer l'émulation. Ah, oui, l'hôtesse. Tu es qui d'ailleurs? Tu as l'air un petit peu défoncé d'ailleurs. Jessica Momille. Jessica Momille. Ah ah. Grosse blague. Oh là là. Grosse marre. Mets un pouce bleu pour cette blague. Ah bon? Comment cela-t-il que... Comment cela? Comment? Ah oh, mon dieu. Ah, ce vol va effectuer une escale pour ravitailler les transferts et cargaisons à la République de Zhengfa entre 10h et 11h. Les passagers sont priés de rester à bord pendant ce laps de temps. Merci de votre coopération. D'accord. Un jus de raisin et j'ai pas vu pour les vents. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, ne remettez pas la 3D! Ça rame mais je peux rien faire pour diminuer ça. Tiens, tiens, tiens. Je vais me souvenir de cette deuxième page du magazine. Tu es sûr? J'ai ton témoignage, attention! Je pourrais l'utiliser contre toi. Et contre tout le monde. Ah. Évidemment. Et qu'est-ce que je foutais de 11h à midi et quart, moi? Je devais être en train de me bourrer la gueule. Tu veux qu'on recommence, c'est ça? Tu veux qu'on recommence? Ok! On va recommencer! Ah, ça rame! La boutique de souvenirs? Au pif! Prends ça!
La boutique de souvenirs. On m'a dit qu'il y avait une boutique de souvenirs. Je ne comprends pas pourquoi il y a une boutique de souvenirs dans un putain d'avion. Bon, là je tiens à m'excuser parce que la 3D est en train de tuer tout. Mais je vais t'en foutre. Oui, tu as crié très très fort. Ah ah. Ah ah. À quelle heure était-il? Vous êtes en train de me tuer. Moi j'essaie de me sortir d'un problème personnel. Alors, souvenez-vous, il y a à peu près 50 minutes. Et qu'y a-t-il derrière cette porte? La salle de repos des hôtesses, oui, ça j'ai compris. Ah, va plus vite, s'il te plaît, ne meurs pas. Ah bon? Ah ça rame. Ouais donc non. Ça je... D'accord, admettons. Vite, allons dans la boutique. Quoi encore? Qui parle? Ah, quoi? C'est toi, oui. Tu m'as l'air un peu beaucoup préoccupé par ton travail. Comment ça donc? Comment? Mon Dieu. Comment? Mais pourquoi tu as fait ça? Dit-elle avec deux trames de retard. J'ai absolument aucune confiance en toi. J'ai absolument aucune confiance. Je me casse. La boutique de l'avion, c'est plutôt dégueulasse. Ah oui, c'est les turbulences, c'est vrai, j'avais... Eh ben justement, calme-toi. Ah oui, la tirelire. Début de l'enquête. Et oui, voilà, juste fait une petite coupure parce que je vais continuer, bien sûr, je vais pas vous laisser sur une fausse fin. D'autant que je n'en ai pas très très envie. Donc on va continuer tout ça, et première chose qui claque, les valises. Alors, est-ce que je peux aller le vase déjà? De belles fleurs dans un magnifique vase. J'ai le droit de sortir des fleurs. Laissez-moi. Et ça, ce sont des valises. Ah ouais. D'accord. Mais... Oui, plus je vois tout plus près... Non, puis en plus, ça sert à rien, parce que...
Si tu vas dans un avion, t'as déjà une valise. Mais oui. Oh, c'est dans l'air. C'est dans l'air. C'est moche. Ah, le goût est suppos et non, mais c'est un art spécial. Pourquoi? Mais c'est moche en plus, j'en veux pas. Mais qu'est-ce que t'as avec ton doudou, toi? Ça me perturbe. Ah, vraiment? Ah ouais. Gros design, hein, sans doute. Bah écoute, peut-être qu'ils ont repéré quelque chose d'insoupçonné dans son art. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais... Oh là là! Incroyable! Des valises debout comme ça, avec les turbulences. Des machines à tuer. Oh là là. Bon alors, sinon, je pense qu'il y a un 40 cassé. Voilà. Un cadeau. Oui, bien sûr. Non. Ah, oh, quel dommage. Peut-être un jour. Bon, ça c'est complètement cassé. Ouais, ou alors il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! Une casquette de commandant de bord! Oh, je vais... Les peluches? Ouais, enfin, sa peluche, elle est moche. Oui? Si tu le dis. Ça c'est la vitrine. Ah, oh. Achète-moi. Regarde, je ne suis pas cher. Je ne suis vendu que dans cette que ici. Non, absolument pas. Bien. Est-ce que j'ai assez de connexion? Les valises sont dangereuses. Oui. Non, j'en sais rien, en fait. Bon, et si je lui parle d'ailleurs? Eh ben. Rien à signaler? Oh, merci. Ah là là. T'as l'air un peu fatigué. Le décalage horaire, je pense. Oui, tu as l'air... complètement fatigué. Bon. Tiens ça, la tirelire. À peine, hein. Il y a juste du sang dessus, mais à part ça, tout va bien. Hein. Ce n'est qu'une tirelire. Oh la vache! Oh, ces paroles! Alors par contre, tu as dit quelque chose d'intéressant.
Ah, je ne peux pas présenter les profils. Zut alors. Si je te présente mon badge d'avocat. Ah oui. Non mais elle dort. Voilà, elle dort. Oh, le téléphone, et qu'est-ce qu'il y avait? Son témoignage. Non. Elle est complètement dans les vapes. Oui, d'accord. Ah, tiens. Intéressant. Oui. Ouais, il n'y a plus rien à présenter. J'ai plus rien à te parler. Je ne peux pas examiner ça. Les trucs. Mais même ce truc par terre. Non, je dois continuer. Ah non, d'accord. Je vous... Non, mais j'aimerais bien examiner au travers. Je ne peux pas examiner plus loin. Non, ça c'est des fleurs. Oh là là, excusez-moi, le pollen, tout ça, c'est pas bien. Non, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'ai-je bien pu rater? Ah, ah, tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la peluche qui est tombée, d'accord. Ça, c'est un sofa. Ça, c'est une vitre brisée. Ça, c'est tout. Il y a un mur invisible. Je l'ai vu, le mur invisible. Qu'est-ce que j'ai raté? Non, tout doit jouer à la logique, alors. Réfléchissons. Est-ce qu'il y aurait un lien entre... Non, pas l'arme du crime et les lunettes. On va voir que s'il avait été brisé, ça aurait été... Allez, mettons des lunettes et la valise. Et c'est pas ça. Non, c'est... Non, mais c'est pas mal. J'essaye des choses, hein, mais c'est pas ça. Mais c'est là-dessus que ça se joue, parce que... Bah... J'ai pas d'autre explication. Ah, quoi que, attends. Oh, mais le tout. Oh, poulet. Oui. Ah, je viens de le trouver. Je suis trop con. Voilà, en fait. Parce que. Normalement, la petite assiette de commandant, est-ce que ça n'irait pas avec Monsieur iFly. Parce qu'en fait, la pluche, elle a une casquette. Donc, est-ce que la casquette, ça va avec l'arme du crime? Je ne sais pas. Connectons. Connectaillons. Et espérons. Et c'était ça. Zut alors. Et ça fonctionne. Intéressant que tout cela. Peut-être. Ah. Bon, ça c'est un problème de régler, donc examinons mieux cette vitrine. Oh, c'est beaucoup mieux, c'est mieux. Un espace vide, donc potentiellement là il y avait la tirelire. Et effectivement. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, bichette. Voilà, alors. Il y a quand même des colliers, pas mal de choses, des machins, mais non. Un presse-papier.
D'accord, donc mes presse-papiers. Ah ah, les poignets. Oh, c'est génial. Dommage. Et là, on a une vitrine. Mais là, on a des bouquins. Waouh. L'avenir, l'histoire, les sites merveilles. Bateau, d'accord. I believe I can fly. I can I fly. I love I fly. Très bien. J'essaie de réfléchir à quelque chose. Du coup, j'en déduirais sans doute donc. J'en déduis peut-être que c'est ici que était la machine, la tirelire. À l'intérieur. Oui, sans doute. Merci, Captain Obvious numéro 2. Oh, vous êtes de l'intérieur. Mm-hmm. La petite casquette. Et ouais. Intéressant que tout cela est une... Pourquoi je parle? Elle dort. Faudra analyser en détail le sang, enfin le peut-être sang. Et qui ça donc, ta collègue? Bien sûr, évidemment. Ah bah oui, c'est facile, hein. Bon, très bien. Revenons à la logique. La logique logistique. Donc, là, les turbulences avec les valises. C'est la connexion la plus évidente du monde. Merci de faire un... Eureka, ça marche! Voilà, il y a juste un Mizordi qui est en train de mourir. Parce que c'est vrai! Elles sont... Ouais, mais elles sont à leur place! C'est normal. Elles sont beaucoup trop bien ordonnées même. C'est un peu louche. T'es très marrante, machin. Cam, on va t'appeler Camomille. Alors, elles sont moches. Mais quelque chose attire mon regard. Quelque chose d'étrange. Mais oui, l'étrangeté est simple. Attends, lesquelles valises? Elle se trouve ici, au niveau des roues, car il n'y a pas les cales qui sont juste là. Donc, alors, attends, essayons de viser les roues. Voilà. C'est-à-dire, mais tu le fais exprès. Et oui. Et... Idiot. Examinons cette valise. C'est super moche, putain. Oh la vache que... Oh, c'est moche, bordel. Bon, comment que ça s'ouvre? Ici, ça doit s'ouvrir là.
Ah oui, voyons. Ah oh, mais qu'est-ce que c'est que donc que tout se sent? Oui. Enquête terminée, trop bien. Yay. Oui, entre autres. Non. Oh. Oh. Easy. Mais quelle était cette chose qu'il a voulu déplacer? Ah là là, je me demande bien. Prends ça. C'était le corps. Donc c'est une manigance. C'est un coup monté. Et quoi? Oh, possible. Oui, on peut le dire comme cela. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air pas convaincu. Eh ben. Ah oui, qui me parle? Ah, tu es revenu. Comment ça va? Ah. Mince alors. Non mais elle... Fais gaffe à ce que tu dis. Fais très attention à ce que tu dis. Non, toi, j'ai pas confiance. C'était pas le salon. Eh oui, c'était pas moi. Et si j'avais continué 20 minutes de plus, j'aurais eu la fin de l'épisode. Idiot que je suis. Et voilà. Si j'avais continué 20 minutes de plus, ça aurait été fini. Bon, au moins, c'est un problème de régler. L'épisode s'achève. Et ben, ça aurait été assez intéressant. Un meurtre dans un avion. Un avion quand même assez mouse pour avoir un ascenseur, deux étages, une soute et pouvant accueillir classe économique, classe affaires et première classe. Je me demande si cet avion existe vraiment. D'ailleurs, s'il existe, dites-moi en commentaire. Et ben franchement, ça annonce du beau. Ça annonce du beau. Juste, alors, je pense avec tout ce qu'on a appris, je soupçonne un petit peu l'espèce d'enfoiré qui nous a honteusement montré qu'il ne sait pas régler l'heure. J'ai complètement oublié son nom. Mais aussi l'hôtesse de l'air qui a l'air complètement dans les vapes. Et peut-être le commandant. Oui, le commandant aussi, même si je l'ai jamais vu. Bref, c'est là-dessus que se termine cet épisode, enfin ce début d'enquête de Miles Edgeworth Investigation épisode 2. J'espère que vous l'avez apprécié et que que cela vous a plu tout court et que vous avez été happé par l'intrigue de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un like, à commenter la vidéo sur le jeu, sur ce que vous en avez pensé, si vous l'avez fait. À vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de la suite et pour... et bien sûr, si le contenu autre que je fais vous plaît. Et à me suivre sur Twitter où j'annonce des trucs et où je suis le plus souvent actif. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation.